vieille peau est morte, tu entends? Non, c'est là que tu te trompes. Elle est d'ailleurs plus vivante que jamais. Oui, tu as tué son corps, mais son âme est en vie. Tu es malade! Oui, c'est possible. C'est possible que je sois malade. Mais je sais que Monica est vivante. Et j'ai la force suffisante de faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Monica? Cette pauvre femme qui aurait pu être ta mère? Est-ce qu'elle pouvait te faire l'amour comme moi? Te rendre fou de désir comme moi? Et elle pouvait te faire crier comme moi? Non. Non. Elle pouvait me faire sentir des milliers de choses, elle. Me les faire sentir mille fois mieux que toi, Elena. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pauvre lâche, espèce d'ordure. Je vais te faire payer cette humiliation, ça oui, je te le promets. Non, tu ne vas rien faire du tout. Ni maintenant, ni jamais. Tu me comprends? Jamais! J'ai fichu en l'air la confession. Alors il ne me reste plus qu'une chose à faire. Me débarrasser de toi, Elena. De toute façon, je vais aller en prison. Alors un meurtre de plus, un meurtre de moins. Quelle importance? Adieu, Elena. Je ferai pas ça, Fonzie. Lâche ton arme, mec. T'es pas futé sur ce coup-là. Mon Dieu. Enfin, qu'est-ce qui se passe là-haut? Ne sois pas têtu, abruti, si tu ne veux pas que je t'envoie dans l'autre monde, mec. Lâche ton pistolet. Oui, allez. Dépêche-toi, Fonzie, allez. Laisse-moi seule avec lui. Vous êtes sûr, madame, il est dangereux ce type quand même. Je t'ai dit de partir, c'est compris? C'est d'accord, mais appelez si vous avez besoin de moi. Tu es la seule personne que j'ai aimée dans ce monde. Et tu voulais vraiment me tuer? Moi, j'ai tout fait pour toi. Pour te rendre heureux. J'ai fait de toi l'héritier d'une fortune gigantesque. Et je t'ai même pardonné de... m'avoir trahi avec cette garce d'Adriana. Non, elle s'appelle Monica. Il va falloir t'y faire. C'est d'elle dont tu es tombé amoureux. Pas de mon insipide de tante. Tu ne veux toujours pas comprendre. Ça a toujours été elle. Dans la tête d'une autre. Dans la peau d'une autre. Mais ça a toujours été elle. Monica Serrano. La seule femme que j'ai aimée. La seule femme que j'aime. Et la seule femme que j'aimerais. Et ça jusqu'à la dernière seconde de ma vie, Elena. C'est pas vrai! Ce n'est pas vrai, Gerardo, tu l'aimes que moi! C'est vrai, tu ne peux aimer que moi! Il faut que tu te mettes dans la tête que la seule chose que tu m'inspires, c'est de la répulsion. C'est de la pitié. Tu me comprends? La pitié! Tu me dégoûtes. Gérardin? Oh!
allez bien, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il faut que nous partions. Non. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, l'hôpital, non, sûrement pas. Allons-y. Allons-y, patronne. Non, allez. Gerardo, non. Mon amour. Ne parle pas, s'il te plaît, reste bien tranquille. L'ambulance ne devrait plus tarder, mon amour. Non, c'est trop tard. Il faut que tu tiennes bon. Là-bas. Là-bas, il y a une caméra. Je n'ai pas réussi à faire parler Elena. Mais elle m'a tiré dessus. Comme ça, ma mort va. Elle va te servir. Non, mon amour, non. Ne dis pas ça, je t'en supplie, il faut que tu vives. Tu m'as dit, mon amour. Ça veut dire que tu m'aimes toujours un peu. Tu as pu me pardonner. S'il te plaît, tiens bon, je te le demande. Écoute-moi bien. J'ai enregistré ma confession. Elle est dans le coffre-fort du bureau. Elena doit payer pour tout le mal qu'elle a fait. Non, chut, là, s'il te plaît, ne parle plus. Il faut que tu gardes tes forces. Tiens bon, Gerardo, tiens bon, l'aide est en route, elle arrive. Non, il est trop tard pour moi. Mais au moins, je suis heureux. J'aurais fait quelque chose. Quelque chose de bien pour toi. Mon Dieu, non. Je peux te voir. Mais je vois ton âme. Et plein de lumière. Gerardo, non, écoute-moi. Accroche-toi encore à la vie. Pardonne-moi, Monica. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Pour ne pas m'être battu pour toi. Je te pardonne, Gerardo. Je te pardonne de tout mon cœur. Écoute-moi. C'est vrai, quand je t'ai dit que je t'aimais, je t'ai aimé. Et je t'aime. Je t'ai aimé comme personne. Mais toi, dis-moi. Est-ce que tu m'as aimé? Oui, Gerardo. Je t'ai aimé de toute mon âme.